We're about $5,000 short of the Ocarina of Time glitch exhibition. We need about $16,000 more to show the Melee Finals and Adventure Mode speedrun during the AGDQ 2015 bonus stream. That is a Adventure Mode speedrun for Super Smash Bros. Melee. Fais-moi rêver, vous préférez les portes ou les monorails? Non. We're like $80 short, almost there for defeating Sephiroth with Omni Slash. Je vais sortir la 3DS et le jeu. Je vais montrer que je suis prêt. Final Fantasy VII will be broken quite hard, so let's just slash it up at the very end as well. A $50 donation from Toolrific. Had to wait all week until I got paid and paid my bills to donate. As my family, like many others, has been affected by cancer, I am so thankful for everything you guys are doing. Keep it up. Ouais, vas-y, mets une pub. J'ai déjà préparé mon c'est quoi le truc. Je suis remonté à combien? 4,28. Alors, qu'est-ce qui s'est dit sur... Qu'est-ce qui s'est dit? Shout out to our sponsor, The Yeti. The Yeti is a t-shirt site featuring an awesome new design every 24 hours for a low price. The Yeti has partnered with us for AGDQ 2015, offering an array of shirts with $3 from every unit sold going to Prevent Cancer Foundation. Check out the collection at theyeti.com/AGDQ. We also have a sponsorship from Turtle Beach. Turtle Beach transforms your gaming world with a selection of cutting-edge technologies, creating a product that completes your high-definition gaming experience and puts you a step up on the standard headset competition. Check them out at www.turtlebeach.com. If you've used their headsets before, they're pretty good. I can see people swarming all over the place. Looks like the game is running, which is a good sign. Hopefully we'll be able to get started soon. Kramer moving the chair into place. Metal Gear Rising Revenge. Another shout out to Tiny Build Games. Tiny Build Games is an indie developer morphed into an indie publisher. They partner up with indies across the world to help better their games as well as develop games themselves. Check them out at www.tinybuild.com and check out their game Speedrunners, available the AGDQ 2015 Humble Bundle. Once again, check out ouais, Speedrunners. Ouais, Revenge, c'est pas obligatoire dans le titre, mais bon. Ouais, bah écoute. Tu me diras quand c'est bon. Enfin, je vois le retour, quoi, mais... Normalement, on est de retour. Me recevez-vous? Êtes-vous là, chat? Alors, du coup, nous, on va passer à la run de Metal Gear Rising Revengeance, alors qu'on voit des PC, c'est un peu bizarre. Ouh là là, ça fait mal aux yeux, là. Je vais être victime de crise d'épilepsie, ça continue, le signal. Parce que c'est vrai que là, du coup, on passe d'un jeu console à PC, donc il faut qu'on ait capture PC. Ok, c'est bon. Ah, il joue en sensibilité 10-10, normal, la base. On va refaire le même petit rituel qu'avant. Pour ceux qui n'étaient pas là, je veux veiller à la bien, à la bonne, on va dire, ergonomie, à la propreté de ce chat. Donc, la TV s'éteindra automatiquement. Non, je ne veux pas qu'elle s'éteigne automatiquement. Vite, Iwa, sauve-nous. Ok, ça doit être au milieu, quelque part. Fais voir, vite. J'ai trouvé. Non, je sais pas. Ça, non. Voilà. J'ai sauvé. C'est bon, j'ai sauvé. Voilà. La télé qui allait s'éteindre automatiquement, qu'est-ce que c'est que ça? Bref, je veux veiller à la propreté de ce stream et de ce chat. Donc, du coup, le world record, sous vos yeux ébahis, le voici. J'arrive. Ça, c'est pas... J'ai rien fait, j'ai rien touché.
façon, il n'y a pas de truc. Donc, hop. Donc voilà, préparez encore une fois les screen caps, le world record, le voici. C'est quoi le jeu? Donc c'est Metal Gear Rising Revengeance avec le DLC de Sam en New Game, non pas New Game Plus parce qu'il y a une catégorie de New Game Plus dans le Any Person du jeu sans DLC. Et le world record c'est 8,59. Et là vous pouvez voir que l'estimate est à 15, donc c'est quand même largement différent. Donc voilà, vous avez normalement eu le temps de prendre vos petits screenshots. C'est la faute de Biff, bon, monsieur, c'est Biff. Bon, dans le doute, je le remets, voilà, je réexplique. Le jeu, c'est Metal Gear Rising, avec le DLC de Sam, en New Game et non pas New Game Plus, parce que normalement, c'est dans le Any Person du jeu qu'on peut jouer en New Game Plus. On est en difficulté Revengeance, donc la plus difficile, mais je vais expliquer pourquoi plus tard. Et on est à 8,59 de temps prévu, alors qu'on a 15 à l'estimate, donc on est très 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 large, donc peut-être qu'on aura des exhibitions, de petits tricks, je ne sais pas. Donc voilà, on va reloquer avant que ça... Hop. Voilà. Alors, on m'a fait part pendant que j'étais parti prendre un jus d'orange, hein, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, le jus d'orange c'est essentiel pour la santé de ma voix, qu'il y avait eu un sondage. Voilà, je tiens à vous le dire, j'ai entendu votre voix, je ferai tout pour que ce Stropol soit mené à bien, Bravely Default, un jour, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà, merci pour ceux qui votent, ça permet de faire de l'animation, tout ce qu'il faut. Donc du coup, est-ce qu'il y a un speedrun de MGS PS1 de prévu? Pas ce marathon-là, on en avait eu un à la GDQ précédente, avec Slide, runner français. Tu as remis le jeu, oui, bah oui, évidemment, on a plus besoin de moi maintenant. Alors, la raison pour laquelle on va jouer en difficulté Revengeance. En difficulté Revengeance, le jeu est plus ou moins de la même difficulté qu'en Hard, c'est juste qu'en fait, les dégâts de contre sont multipliés par 5. Donc si on est un vrai maître du jeu, des parings, etc., on peut vraiment faire des dégâts astronomiques au boss. Et avec le DLC de Sam, en fait, on peut en abuser de tout ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas de contre. Les seuls personnages capables de contrer sont en fait Raiden et Wolf d'une certaine manière. Lui, Sam a un gameplay qui est très spécifique. Qui est basé sur le taunt, donc la provocation que l'on va voir. Donc voilà, on va commencer le new game de Jetstream. On a pu voir qu'il y a aussi un autre DLC de Wolf, le Revengeance, et on ne va pas prendre le tutoriel parce qu'on s'en fout évidemment. Et on va bientôt être prêt. J'espère que vous êtes ready, vous aussi. Donc c'est le deuxième jeu du bloc Platinum Games. Après, on va attaquer le bloc rare avec Perfect Dark et GoldenEye. Jetstream Sam, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le personnage le plus charismatique de ce jeu. Si vous n'aimez pas Sam, je ne comprends pas. Quelque chose tourne pas rond avec vous, ce n'est pas possible. Il a la meilleure musique de l'OST d'ailleurs. Ce jeu d'ailleurs a gagné l'OST, meilleur OST 2013. Je tiens à le préciser. Foncez dessus, c'est un délice. Donc voilà. Avec le petit point scénario, tant qu'on y est. Alors Sam, en fait, le DLC a lieu avant le jeu principal. Il s'est fait appeler par Armstrong à faire une petite visite. Donc là, on le voit, de la même manière que Raiden a infiltré par les égouts la base, et bien lui, il y va aussi. Donc on verra beaucoup de load and quit. Donc en fait, il va faire exprès de quitter et de restart le checkpoint, un petit peu comme on a fait avant avec Vanquish, pour pouvoir esquiver les cinématiques et les dispos des ennemis. Ici, si on se fait pas choper, on va dire, et ben on peut foncer. Et on arrive directement, comme ça, tac, en 50 secondes, au premier boss fight du jeu, Wolf. Donc là, les contres, pouf, on l'expulse en l'air, on la taunt pendant qu'il était en l'air. Le fait de taunt, ça fait que les ennemis prennent deux fois plus de dégâts, mais vous également. On abuse des attaques chargées de Sam, qui sont une de ses spécificités de gameplay. Les Kiai, paf, paf, et voilà, on l'a expédié. Alors, je peux pas vous dire tous les inputs qu'il fait par rapport à tous les mouvements, etc., parce qu'on peut pas acheter de move set comme avec Raiden. Tout est débloqué de base avec Sam,
Mais là, en fait, il y a plusieurs coups. Selon le nombre de fois où vous appuyez sur Y, le coup chargé aura un effet différent. Donc là, il fait l'attaque chargée avec Y une seule fois. Donc ça fait en fait une espèce de rafale de slash dans une ligne droite. Mais bon, là, comme vous avez pu le voir, c'est surtout le contre suivi du kick en l'air qui a tout fait, qui lui a permis de faire deux charges gratuites. Et ensuite, avant qu'il passe dans ses phases d'invisibilité, il a pu l'achever. Donc ça va être très difficile pour moi de pouvoir tout commenter en temps réel parce que c'est très très rapide ce jeu-là. Il a encore une fois taunt avant que les ennemis n'arrivent parce que ça a une portée globale sur l'intégralité du plateau et non pas de l'écran. Donc une fois que les ennemis sont déjà là, ils sont déjà taunt, ils peuvent prendre masse de dégâts. Ici, il est en train de spawn kill. Avec les hitbox complètement délirantes alors qu'ils sont encore au-dessus de lui, mais avec le rocket en tirant par terre. Ne cherchez pas à comprendre, CMGR, il est un petit peu bizarre. Si vous vous souvenez de la run Any% avec les skips, avec les out of bounds, vous comprendrez pourquoi. Et là encore une fois, on a les meumeux, hein, les fameux geckos. Tac, les geckos, ça c'est les raptors, moi je les appelle les raptors. Donc là on les a étourdis. On fait exprès de passer sur le côté, paf, roquette, ils sont tous les deux taunt. Ça marche aussi hein, sur les roquettes, c'est sur n'importe quelle source de dégâts. Là, on fait le deuxième charge qui fait l'envoyer en l'air. On retaunt parce qu'il faut quand même le réappliquer de temps en temps, ça dure quelques secondes seulement. Il a essayé le paring, mais il n'a pas réussi à le faire. Parce que le paring en Revengeance, c'est à la frame. Si vous ne faites pas le paring comme il faut, vous ne ferez pas le contre. Par contre, voilà, là il a bien timé pour pouvoir faire la slash horizontale pendant qu'il était en l'air, ce qui a permis de la faire se déstabiliser. Et on a le QTE. Le QTE du moment qu'on l'annule, le personnage à partir du moment où il est rentré dans un QTE est considéré comme mort, c'est juste que vous pouvez vous amuser à le découper en 50 millions de rondelles, sauf que si vous l'annulez, il meurt instantanément. Voilà. Donc on continue notre ascension, cette phase d'ascenseur qui est très 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 longue dans le run Any% du jeu. On va bientôt arriver dans le hangar où va nous attendre le deuxième boss du jeu, le Metal Gear. Alors le Metal Gear, il est exactement comme le tout premier que l'on affronte avec Raiden. Lui, on le bourre à la roquette, ce qui va permettre de faire l'animation avec la tête. Donc tout comme avec Raiden, on va pouvoir du coup lui défoncer la tête. On fait l'attaque chargée avec Y en l'air pour pouvoir focus du coup les canons. Ce qui permet de nous les tuer. On a eu encore une fois le cut. On fait la même chose avec l'épée. Et ça fait que du coup il a 0% parce que bah, on lui a enlevé 25% à chaque phase. Et donc on l'achète. Voilà. Le fight a duré à peu près 7 secondes. J'ai même pas eu le temps de le commenter. Ça, n'importe quoi ce jeu en speedrun. C'est pour ça que le DLC de Sam a été accepté. Parce qu'il est super impressionnant en speedrun. Parce qu'il y a beaucoup trop de phases avec Raiden et de phases obligatoires. Alors qu'avec Sam, on peut tout skipper. On fonce. On se fiche de tout. On a déjà tué deux des trois boss du jeu, enfin du DLC. Et là, on va directement à la fin sur le toit. On doit passer par les jardins japonais, etc. Si vous vous souvenez. Donc là, on est dans le complexe. Donc voilà, on atteint les fameux quartiers spéciaux privés de Armstrong. D'ailleurs, on est en train de parler avec lui. Le but en fait de tout ceci dans le scénario, c'est de tester les capacités de Sam pour vérifier s'il est apte à rejoindre le groupe avec Monsoon et Sundower et Mistral qui sont déjà intégrés dans le groupe. Et là, le dernier obstacle, c'est d'affronter Armstrong lui-même pour... en fait, tout ça, en plus, ce qui est rigolo, c'est que c'est une interview, hein, c'est un rendez-vous pour obtenir un job. Donc imaginez-vous, vous êtes un mercenaire, on vous appelle comme ça, bon, la vie de tous les jours de Sam. Donc encore des geckos, des vrais cette fois, pas des raptors, donc on les taunt, on fait le stun, on fait l'attaque rotative chargée deux fois, on les affaiblit au maximum au niveau des jambes, parce qu'une fois que ce sera fait, une fois qu'une partie d'une armure ou quoi que ce soit dans un jeu est affaiblie, on peut le tuer en mode Zai, enfin en mode Zen, je ne sais même plus, mais le mode de découpe, pardon, le coupé-décalé comme on dirait. Et ça permet de les one-shot, surtout si c'est des jambes, les geckos ne peuvent pas survivre sans nos jambes. Donc là on arrive dans la phase d'ascenseur, on taunt avant même que les ennemis soient apparus, les chiens, les mini-wolves. Il fait le contre deux fois avec les grenades dans leur tête. Les grenades elles explosent automatiquement à l'impact, ce qui explique pourquoi. Hop, encore une fois on fait du recul pour pouvoir one-shot les ennemis de base. Cette fois ce chien là lui il prend une roquette dans la tête. Et le dernier qui est un gros lourd,
On lui a instantanément fait l'attaque rotative avec le Tons qui lui a enlevé la capacité protection de son armure et le QTE YB pour l'achever. J'ai pas le temps de me reposer là. C'est... Heureusement que c'est court. Alors, maintenant, on a toute cette phase où on est censé esquiver tout plein de geckos. Donc là, il a réussi à le contrer. Et donc, du coup, il fait exprès de faire le YB en ayant les deux alignés. Ce que le jeu considère que, du coup, le coup de pied qu'on a vu qui permet d'entrer en phase de découpe a affecté les deux geckos. Et donc, du coup, on a tué les deux en un coup. Donc, d'où l'importance de se situer derrière lui. Hop là, les petites phases du swag où on fait des tours de cercle avant d'activer le switch. Maintenant, c'est la phase chiante où en fait on doit tuer divers ennemis jusqu'à trouver le bon qui a le code pour accéder au toit. Sauf qu'évidemment, nous ici, bah, on sait déjà lequel est le bon. Donc, hop, on tue les deux premiers gardes avec le smoke. Alors, la smoke ça permet de les désorienter. On a le code, on retourne à la porte et on va pouvoir accéder à l'hélipad où se trouve l'un des boss de beat'em all les plus abusés, les plus cheatés que j'ai jamais eu à affronter. Armstrong, Nano Machine, Son. Il est complètement fumé, vous allez comprendre dans son pattern, même si on n'aura pas trop l'occasion de voir l'intégralité de son pattern. Mais ceux qui ont joué à ce jeu en difficulté Revengeance me comprendront. Alors avant ça, on a deux Apaches à tuer, donc on les tente, on fait l'attaque verticale chargée, paf, la roquette sur le deuxième, il est découpé en deux, c'était instantané, c'était gratuit. Et voici Armstrong qui nous attend au beau milieu. Il nous reste un peu moins de 50 secondes sur le world record, sachant que ce boss a 3 phases. Alors là, c'est obligatoire. Dès qu'on le touche, il rentre en mode Fury, qui est normalement sa dernier mode lorsqu'on l'affronte dans le jeu. Là, il rentre avec nous directement. Et là, regardez. Paf! Il faut absolument esquiver ça à la frame, sinon ça vous touche. Le but de ce fight, est exactement comme il est en train de le faire, c'est de le taunt, de charger le tout premier coup de base. Ça lui enlève 20% à chaque fois que l'on fait ça. 50%, il rentre en phase 2. Là, il a eu une bonne RNG parce qu'il a fait que une seule fois le coup au point au sol, alors que normalement il peut être aléatoire. Il a tenté par contre de faire les attaques où il charge son ki. Donc ça permet d'avoir plus de frames pour pouvoir ouvrir une attaque. Enfin, placer une attaque. Là, il a complètement esquivé et cheaté l'envoi de débris et d'autres hélicoptères sur lui en se mettant dans le coin et en se retournant en dernier moment pour tous les OS en un coup. Ensuite, on fait le restart. Voilà, là. Là, il est pas content. L'attaque super cheatée de je me transforme en une météorite et je fonce à travers tout le toit aléatoirement pendant je sais pas combien de temps. Et bah, il venait de le faire. Là du coup il lui a annulé le point chargé en lui faisant sa propre attaque chargée sur lui. Cette attaque est l'attaque idéale parce qu'en fait l'attaque met du temps à se déclencher, c'est une éruption volcanique. Donc du coup on a pu rentrer directement dans le QTE et là on va annoncer le time dans quelques secondes après qu'on fasse un petit coup de rotation. Alors là on va magnifiquement se rattraper sur l'hélicoptère et faire une technique de bateau. Donc dégainage de sabre, paf, et tranché. Enfin du moins, essayer de trancher Armstrong. Et voilà, c'est fini. C'était rapide. Et Sam a fini le jeu. Bon, ce qu'on vous montrera pas après, c'est que il perd un bras et que du coup il devient un cyborg. Mais bon, ça c'est pour l'aspect charismatique du perso. Mais en tout cas, le DLC est fini. Voilà. 9 minutes 43. Je sais même pas pourquoi il a mis un estimate de 15 minutes, pour être honnête. Mais il a dû viser très large. Il s'est dit qu'il avait peut-être le temps de faire deux fois le DLC. Mais en tout cas, voilà. Ah, vous allez peut-être pouvoir voir le découpage de bras. Peut-être. En tout cas voilà, c'est... Ah, j'avais pas vu le magnifique t-shirt de Hassan Shop de Kramer. Donc voilà, là c'est le passage dans l'asthmatique où Sam arrive à se faire persuader par Armstrong qu'ils ont à peu près les mêmes idéaux, sauf que bon, au final c'est du troll, il a pas trop envie, il a dit ah, est-ce que tu vas nous prendre une main, est-ce que tu vas nous aider, de tendre la main, il fait ouais, je vais plutôt prendre la tienne. Donc là regardez, c'est magnifique, si on voit toute l'asthmatique, l'analyse de tout ce qui se passe dans la tête de Sam pendant que Armstrong est en train de parer à ses coups, et ce pourquoi il est le maître de la Murasama, donc son arme qui dérive de son père. Regardez, paf, il analyse le temps que met Armstrong à se dégénérer, à se régénérer.
On va lui faire une magnifique feinte. C'est bien qu'il y ait la cinématique. C'est bien, les deux jeux Platinum Games, on a l'occasion de voir des choses qui se passent après la fin de la run. Donc là, voilà, le contre. Il repasse en position de bateau. L'intérêt en fait, c'est parce que Sam en fait a un fourreau avec une un revolver ainsi dit. Donc là, il appuie sur la gâchette et ça permet de dégainer beaucoup plus rapidement. Donc ça y est, il lui a découpé le bras. Sauf que lui, il s'en fiche. Il le renforce et voilà. Oups, j'ai merdé. Il se défend avec son bras, bah, sauf que du coup, il se fait entièrement empaler le bras. Si vous mettez une pause à ce moment-là, sa tête est assez rigolote. Et donc du coup, voilà, il est déchu. Là on le voit pas mais son bras est découpé, hein. Mais je vais vous passer les détails. Donc voilà, c'est comme ça qu'en fait quand on le découvre pour la première fois, bah, Sam est un cyborg en partie parce qu'il a perdu son bras droit. Et Armstrong, bah, là où on réalise qu'il est cheaté, voilà, poup, je recolle. Si on pouvait faire ça un jour, c'est cool. Non, le bateau, B-A-T-T-O, hein, pas bateau comme les petits bateaux, évidemment. Ceux qui connaissent... Pardon ? Ah bah ça je sais pas, hein, c'est le feed. C'est t'as fait un post-play pourtant, non ? Ah bah je ne sais pas. Alors moi du coup je continue de commenter ce que je vois de toute façon. Donc voilà, j'ai fini. Ça applaudit timidement dans la salle, ils hésitaient, je ne sais pas trop. Donc voilà, bon en tout cas pour moi c'est fini pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises c'est d'abord GoldenEye et après Perfect Dark je crois, je ne sais plus, oh là là quelle mémoire, donc voilà ce sera ce que je viens de dire que j'ai déjà oublié, voilà. GoldenEye et Perfect Dark, alors je ne connais pas les commentateurs, je ne les ai pas sous les yeux mais en tout cas c'est pas du studio je me semble non? Non, 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 j'ai dit qui commente dans le studio en fait. Il y a toi, d'accord donc. Donc il y a un mot. Crapaud, ça dépendait de l'heure, il me semble. Ok. Donc moi je vous retrouve après ces deux runs et le setup pour Halo 2, l'autre FPS, pour la run coop avec Monopoly et Reddit. Je serai normalement accompagné de Mami Mali sur. TS, donc je vous dis à tout à l'heure. Je vais laisser ma place sur le canapé à un mot. Hop! Et des bisous.